Salut tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un Ropet. Bon, c'est pas sur Finds the Rubber Duck parce que c'était hier. Alors, donc, du coup, c'était épisode 17, c'est ça? C'est le 17 ou je suis. Je regarderai, mais je crois que c'est le 17. Donc, la dernière fois, on s'était laissé sur le goût. Alors, moi, je l'ai terminé et j'ai eu la chèvre fée. Et maintenant, on se penche sur le poussin citron vert. Bon, désolé le mouton, mais on te fera la prochaine fois. Vu que je pourrais bientôt en faire deux. Donc, du coup, on y va. Donc, maintenant, il y a une image rapide. Donc, du coup, vous avez vu le 13 avril. Donc, dépensez vos event points avant que les event items partent le 20 avril. Donc, il vous reste quelques jours. Mais vous pouvez plus avoir les coins avec les tasks. Et les mini-jeux sont partis. Donc, on va enlever ce rituel du coup, de notre liste. Donc, du coup, maintenant, bon, on va faire comme d'habitude dans les petits tasks du début, ensuite le lobby, le training center. Après, on va s'ouvrir un œuf rouge ou vert, je verrai, mais je pense que ce sera le rouge là encore. Voilà. Après, vous pouvez toujours acheter des 40 coins dans la boutique hein, qui est au-dessus. Voilà, compte des gemmes. Bon, moi, j'en ai 525. Moi, j'en économise pour le palier avec l'œuf mythique évolué. Donc, vous pouvez acheter si vous voulez. Et l'influenceur a changé, c'est Lily Gia. Du coup, voilà. C'est l'influenceur, le nouvel influenceur du jour. Voilà. Le plaisir. Donc, la semaine prochaine, on aura une match sur Opet. Alors, je me demande ce qu'on aura. Parce qu'il y a toujours le point d'interrogation, comme je vous le disais. Et du coup, les trucs de pack qui vont partir. Donc, voilà. Ça, bon, je pourrais continuer mon line chic hein, tranquille, relax. Là, il est rockid. Presque route win d'ailleurs. Donc maintenant, bah, il est temps de faire le hobby, hein, comme à chaque fois. Bon, on va pas changer une équipe qui gagne. Et comme c'est les vacances, il y a un x2 de vidéos chaque semaine. Donc 2 semaines et quelques jours. Donc ça fait 18 jours. 2 x2, voilà. Et donc ça se termine le 4 mai. Voilà, si vous voulez savoir. Donc voilà, donc chaque truc du lundi au vendredi, ça sera toujours un épisode de Ropet ou peut-être Robert Duck vendredi à chaque fois, mais on verra bien. Donc voilà, donc on y va. Donc là, le hobby, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait celui-là. Ça faisait hyper longtemps, je le voulais trop celui-là. Wow, ah mince, bon, attends, ok, comme ça, checkpoint, let's go. Allez, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce hobby. Bah oui, il est jamais tombé celui-là, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas qu'il soit de retour. Hop. Bon, du coup, ouais, donc il y aura peut-être un épisode hors série plus tard, bon, je verrai. Bon, ça sera bientôt, hein, pour vous faire plaisir, hein. Ça sera peut-être la vidéo spéciale anniversaire, donc la deuxième du nom, hein, parce que la première, c'était celle de 2022, il me semble. Et du coup, voilà, donc celle de 2023 qui va arriver très prochainement. Donc, je pense que ce sera une semaine après les vacances. Ouais, une semaine après les vacances, donc c'est-à-dire le 12 mai. Ouais, le 12 mai. Donc, ça va être tendu. Soit je vous fais une vidéo très rapide le matin. Ou soit je vous fais une vidéo le soir. Ouais, je pense que je vais faire plus une vidéo le soir. À part si. Laisse tomber, je peux faire limite la vidéo le soir. Mais voilà quoi. Donc on y va. Hop là, on continue. Oh, c'était facile, hein, il n'y avait aucun doute. Ah oui, cette étape-là, là, elle me faisait pleurer. Je me souviens, j'en pouvais plus cette étape. Cette étape était trop chaude sur ce hobby, je m'en souviens. Ok, très bien, là ça va être les pic-pic. Ouais, les pic-pic. Voyons donc. Ok, le fashion shop là encore. Non, non, s'il te plaît. Non, c'est bon, il me passe. Wow, ok. Maintenant on va ici et après, dès qu'on aura passé ce passage, normalement ce sera le checkpoint. Là où on a encore un là-bas. Il reste encore deux checkpoints et après, ouais, il faut esquiver le laser. Wow, ok, là il faut faire gaffe. Ok, il y a encore des pic-pic. Voilà, et on esquive le tout et on passe au checkpoint. On est reparti avec 42 thunes à chaque checkpoint. Oh putain, j'ai pas vu derrière. J'ai vu ça, c'est un truc de ouf. Hein. Là, c'est une barrière.
de l'espace. Wow, ah ouais, c'était chaud. Bon, en tout cas, ça fait un nouveau checkpoint. Ça fait plaisir. Là, on va monter du coup. Peut-être c'est l'avant-dernier checkpoint, je suis pas sûr. Peut-être. Ouais, ok. Ah, ça passe. Tac, ok. Oh, j'ai peur à cette étape-là. Wow! Ah oui, ce laser, il est rapide. Studio Japan. Voyons voir. Ok. Et c'est la victoire. Parfait, 10 gemmes. Oh oui, c'est bah, on va faire tout notre tralala. Du coup, on va voir la training center. T'inquiète pas, le petit qu'on va faire après le fashion shop. T'inquiète pas. Et après, on va se voir le plus hein, aussi, comme je vous le disais. Du coup, la training center. Donc là, les capsules d'argent. Alors, là, il n'y a rien pour les capsules d'argent. Dégoûté, mais ça va quoi. Les capsules, regardez. Capsules simples basiques, est-ce qu'on peut en avoir une? Non. Ah oui, on va voir les bêtes légendaires. Voilà. Alors, comment on est pas là? Attends, peut-être que ouais. Pas là, dommage. Les filles, j'ai vu. On peut l'avoir, ok, mais on est encore en abusé là. On va voir. Eh bien. Il me manque le poussin aquatique pour la pour en avoir un, mais j'ai pas très envie. Œuf mythique, regarde. Licorne, mais oui, il faut que ça en fait. Licorne. Des items, ça c'est un peu du cul. Ok, ça c'est un petling qu'on peut avoir pour un exolaire. Est-ce que je vois ça tout le temps? On peut l'avoir pour une chèvre fée. Ok, ma chèvre fée. Ok, très bien. Je sais pas si on peut avoir une autre chèvre contre ça, mais ouais, vous savez quoi? On va traiter la chèvre fée pour deux petits œufs de plus. Hein. Pour faire plaisir, donc là hop, et aussi on va se racheter de la bouffe et tout le tralala. Je pense qu'on va faire ça aussi. Et, donc là, 5 petites gemmes. Donc là, on y va. C'est où la nourriture? C'est là. 6, là il m'en faut 6. Ok, là il m'en faut 5. C'est quoi? C'est de la viande. Ok. Hop là, et après, bon, ça sera sur ça du coup. Ah, deux jetons petling. Ah, on peut souvent une capsule petling aujourd'hui, c'est parfait. Alors, j'ai quoi comme petling à mer? Je vais vérifier. Alors, j'ai quoi? J'ai ça, puffer, et c'est tout. Ok, j'ai puffer, petit cochon, et c'est tout. Ok. On va voir ce qu'on aura dans cette petite capsule. Au moins, un petit on-command, on espère. Hein. Quand même. Non. Ça me casse trop les reins. Voilà. Imaginez cette blague. Donc du coup, donc on y va. Donc on va se voir deux œufs rouges. Ou peut-être j'ouvre un œuf vert. Peut-être un œuf vert. Je sais pas en vrai. Parce que j'avais dit œuf rouge. Mais bon, je vais mettre un œuf vert comme ça, ce sera équivalent. Ouais, j'avoue. Oh, mon line chick, il est dans une boucle, hein, le truc. Il est en mode, ah, je ne sais pas où je suis. Ok, hop. Quelqu'un mère, j'ai quelqu'un qui a eu Poka. Pokachu. Pukichu. Pikachu. Ouais, c'est pas Poka. Ça me dit, hein. C'est un cactus. Enfin, je ne sais pas. Il faut que je me renseigne. Attends, je vais regarder dans les pétlines, mais c'est rare, déjà, ouais. Bouquin, moi, c'est pas beaucoup.
Apoca, c'est un cactus. Ah, ok. Ok, je savais. Je me suis dit, Poca, ça ressemble un cactus, tu vois. Vous savez quoi? On va se prendre un œuf vert, hein, comme ça faisait longtemps. Hein. Ou peut-être deux œufs rouges. Je ne sais pas. Non, on va se prendre un œuf vert. Tac, voilà. Alors, on va commencer du coup par voir l'œuf basique d'abord. Yoshi Eggs. Ok, d'abord une mouse, très bien. Ceci, je vais bientôt la faire. Le vert maintenant. Hop. Yoshi Eggs. Une abeille. Très bien. Seulement fait deux. Et maintenant, cette œuf-là. Yoshi Eggs. Un mouton. Ah, bah maintenant, je peux en faire deux, non? Ah non, même pas. J'en ai sept. Il me manque un. Let's go. On va bientôt faire deux moutons évoluer, c'est parfait. Alors, il est où mon lime chick là? Il est au-dessus. Ah oui, il est là. Et on est à la moitié de l'épisode, j'avais pas remarqué. Bon. Maintenant que ça c'est fait, je pense que je vais économiser mes gemmes. Là, j'en ai 460, donc bon. J'avais dit quand même pour le pass, hein, bien évidemment. Donc, je vais quand même garder. Hein. Donc, les 60 gemmes qui restent, ce sera peut-être pour deux autres œufs. Mais bon. La gym, ok. Et d'ailleurs, il y a un anneau 5 gemmes, donc on est mieux de le prendre. Hein. Voilà. Et, hein, ça fait 5 gemmes de plus. C'est pas trop mal. Attends, les bananes, non, c'est 30. Allez, attends, hop. Allez, la gemme, qui me donne pas de plus. On se rapproche, oui, d'aller. On a le dernier looping du pass, c'est crâne. Que je vais forcément mettre en merge et sans gemme, voilà. Et je pourrais m'acheter un palier. Quelqu'un qui a eu un épique zombie, ouais, GG à lui. Zombie, ça. Zombie, je pense, ça veut dire un zombie que j'ai, je pense, non? Ah, ouais, je l'ai déjà eu, c'est le bleu. Ouais, c'est le bleu, je l'avais eu quand j'avais pas commencé la série quand je l'avais donc. Bon, c'est quand même un épique, hein, bravo à lui. Ouais, bon, si c'est dans une capsule normale, regardez le taux. 0,10. C'est pas énorme. Tac. Nanana. Le monde m'inquiète. Maintenant qu'il n'y a plus les mini-jeux, maintenant c'est vraiment tendu. Bon, après les prochains épisodes, n'inquiétez pas, ce sera peut-être des hors-séries, hein, pour vous faire plaisir, ou peut-être. Voilà, quoi. Et on va voir, hein. Bon, je vais attendre ma prochaine quête. Un peu long, j'avoue. Bon, je pense que j'ai des ouais, j'ai failli couper mon truc. J'ai regardé. Ok, la douche. J'en avais besoin. Ah, il demande aussi le parc. Ok, bon, on va aller au parc. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on n'a pas été au parc. Pourquoi pas, hein. D'ailleurs, je vous ai tout présenté. Bon, à part le camping, le camping qui était arrivé lors de la mage, la dernière mage. Il y avait quelques mages de cela, quand même. Et depuis, maintenant, c'est devenu une task. Donc, ça fait plaisir. Non.
Hop, la douche maintenant. Regardez quand même notre expérience, on est déjà rendu. On a combien d'expérience là sur cette saison? 4580 quand même, hein. Ouais, c'est abusé. Bon, après, mais au loup, c'est la semaine prochaine, donc je pourrais peut-être m'arrêter ici. Mais ouais. Ah oui, il reste que presque 2 semaines. Donc c'est-à-dire que la prochaine mage, après celle-ci là. Ça sera le pass. Ah, ok, ça sera le pass de la saison 6. Je me demande ce qu'il y aura comme petling dans la saison 6. J'espère des beaux petlings parce que là, c'est un peu ignoble. À part le maillot et le lapin, quoi, mais c'est tout. Je me demande ce qu'on aura là-dedans. Encore la vie, mais hop. En plus, on peut pas trop faire de merge de petting là parce qu'il nous faudrait un plus 5 mails. Rien de plus. Et après, on récupère les gemmes. Du coup 10 gemmes, parfait. Bon là il reste 1 minute d'épisode donc je sais pas trop quoi faire dans cette minute. Je pense qu'on a rien de bon hein, à faire. À part peut-être juste pour terminer. Ah bon, on a la dernière task, c'est la douche. Mais d'abord je vais quand même mettre un pet là-dedans. Je vais mettre peut-être pas moi. Un mouton a évolué comme ça, la chenille. Je pense que je vais mettre un magma golem pour 3 capsules d'argent. Allez, on va tenter. Quand même. Ce truc, j'en ai un peu marre quand même. Donc là, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors aujourd'hui, du coup, on a avancé un peu sur le chiffre là et les routines. Hein. Donc, bon, on a ouvert 3 œufs, hein. Un œuf basique, un œuf vert et un œuf rouge. On a avancé un peu dans le pass, hein. Bon, on n'a pas eu grand chose aujourd'hui, mais peut-être demain on aura peut-être plus de choses. Donc du coup, je vous dis à tout à l'heure, peut-être pour les animaux, enfin je suis pas trop sûr, mais on verra bien. Et n'oubliez pas, tchuss!